Je vais vous demander un peu de m'excuser ce soir. Je suis peut-être pas de la plus grande fraîcheur parce que je suis rentré d'Israël à 3 h ce matin après avoir eu un retard de 7 h de l'avion. Alors bon, voilà, on va essayer de faire quand même. Voilà. Alors ce soir, nous allons étudier, comme cela avait été dit la dernière fois, la prophétie de Gog. Prophétie très particulière, par certains aspects surprenante, que nous trouvons dans le livre du prophète Ézéchiel, dans deux longs chapitres, que sont les chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel. Comme je vous le disais, je reviens d'Israël directement, je ne suis pas repassé chez moi, et je suis parti pour 18 jours, donc j'avais pas mal de choses dans ma valise, et pour alléger au maximum cette valise, je n'ai pris que cette petite Bible hébraïque. C'est bien que je n'ai pas de Bible en français. Alors, bon, je ne suis pas dans un état de fraîcheur tel que je peux vous traduire littéralement et directement à partir de l'hébreu. Si quelqu'un voudrait me rendre service et servir de lecteur biblique, ou me la lire, ou la lire carrément. Quelqu'un pourrait la lire, peut-être. Puisque tu es là, vas-y. Ah, mais tu ne la veux pas ? Non, tu la lis directement. Voilà, là on commence à lire au chapitre 38, verset 1er. Alors, la parole de l'Éternel est adressée en ces mots. Fils d'Og, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, me voici contre toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus à la perfection, rassemblement nombreux, portant le regard et les petits, le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma au plus profond du nord et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, et sinon après, toi et tout ce rassemblement autour de toi, ça va aussi comme ça? Tu seras leur garde, dans un avenir lointain, tu seras établi dans tes fonctions. À la fin des temps, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été réunis du milieu de peuples nombreux. Sur les montagnes d'Israël, qui demeuraient toujours désertes, sortis du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu viendras comme un ouragan, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples qui sont avec toi. Je continue jusqu'au bout ? Oui, je pense qu'il faut lire tout le chapitre. Ouais. C'est un long chapitre. Et je pense que ce soir, vu le caractère très particulier de ce sujet, il faut prendre le temps de lire l'ensemble. D'accord. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras un projet maléfique. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. J'attaquerai des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Je vais prendre du butin et me livrer au pillage. Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant du cheptel et des biens, habitant le centre du monde. Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront: viens-tu pour prendre du butin? Est-ce pour piller que tu provoques ce rassemblement? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre du cheptel et des biens? Pour prendre un grand butin? Eh bien, prophétise, fils d'homme, tu diras à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël habitera en sécurité, tu le sauras, et tu viendras du milieu de ta demeure, du plus profond du nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement, une armée nombreuse.
Tu monteras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. À la fin des temps, cela m'arrivera et je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce de toi que j'ai parlé autrefois quand, par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui, en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir contre mon peuple? Alors, en ce jour-là, le jour où Gog viendra contre le territoire d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel, la fureur me montera aux narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de mon courroux. Oui, en ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre en Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, ainsi que les animaux de la campagne et tous les reptiles qui rampent sur le sol, et tous les hommes qui sont à la surface du sol. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers tomberont, et toute muraille tombera par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Oracle du Seigneur l'Éternel. Chacun tournera son épée contre son frère. J'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle et des grêlons, le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Voilà. Oui, allez-y. Tiens. Oui. Oui, oui, jusqu'à la fin. Je continue ? Oui. Non. On arrête à la fin du chapitre 38. Le chapitre 39 reprend à peu près les mêmes termes. Il ajoute certains détails que nous verrons justement dans la suite de notre réflexion. D'abord, quelques mots sur cette prophétie particulière qui a, dans la tradition juive, joué un rôle considérable. Ces deux chapitres ont donné naissance à la tradition de ce qu'on appelle les guerres de Gog et Magog. Les deux réalités étant liées, alors que dans le texte que nous avons lu, Gog est le chef d'un pays qui s'appelle Magog. Mais dans la tradition juive, on parle des guerres de Gog et Magog. Cette période des guerres de Gog et Magog est considérée dans le judaïsme jusqu'à nos jours comme la période finale de l'histoire, celle qui devra précéder l'avènement de l'ère messianique. Et à partir de ces textes, les sages d'Israël ont considéré que cette période des guerres de Gog et Magog, comme on les appelle, serait une période de troubles essentiellement de nature guerrière, qui s'étaleraient sur un certain temps et dans lesquels s'insère non seulement le conflit qui est décrit ici dans ces textes, mais également tous les différents conflits eschatologiques qui sont décrits dans d'autres livres bibliques. Et ces conflits eschatologiques se trouvent essentiellement dans deux autres livres, le livre du prophète Daniel d'une part, et les derniers chapitres du livre de Zacharie. Selon les sages d'Israël, tous ces différents textes s'appliquent aux mêmes réalités, mais évidemment font allusion à des épisodes différents de tout cet ensemble de conflits eschatologiques qu'il faut appeler de cette manière générale des guerres de Gog et de Magog. Selon les sages d'Israël, on trouve d'autres prophéties sur cette guerre de Gog et Magog dans un certain nombre de psaumes, et tout particulièrement dans le psaume 2, le psaume 83, et d'autres allusions aussi dans, par exemple, le livre de la Genèse, et aussi différents textes de la Torah. Finalement, ces guerres de Gog et Magog sont au centre de la vision eschatologique juive. Alors bien sûr, nous n'allons pas ce soir faire une étude exhaustive de ce que les juifs appellent Gog et Magog, parce qu'encore une fois, ça nous entraînerait trop loin, mais nous allons nous arrêter plus particulièrement sur les deux chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel. Avant d'entamer cette étude, encore un mot d'introduction.
il faut replacer ce chapitre, ces deux chapitres, 38 et 39, dans le cadre général des prophéties d'Ézéchiel. Les prophéties d'Ézéchiel sont divisées en deux parties. Une première partie qui part depuis le début du livre jusqu'à la chute de Jérusalem entre les mains de Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Le prophète Ézéchiel est un prêtre qui a été déporté en Babylonie 10 ans avant la ruine de Jérusalem, c'est-à-dire en 597, lors de la première prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, et il a fait partie d'une première déportation. Il est arrivé dans un endroit qui est situé au bord des fleuves de Mésopotamie, c'est-à-dire le Tigre et l'Euphrate, et qui porte le nom de Tel Aviv, dont cette expression a été reprise pour désigner la ville israélienne moderne de Tel Aviv. Bon, pour différentes raisons, je n'entrerai pas là-dedans, ce n'est pas notre sujet. Là, donc, il a des visions sur la ruine de Jérusalem, parce que les Juifs qui sont restés en Israël pensent que cette destruction, cette première prise de Jérusalem, cette première déportation, qui a touché essentiellement les élites du peuple, sera une déportation temporaire. Il y a des faux prophètes qui surgissent en Juda pour annoncer le retour prochain des exilés, et Ézéchiel est envoyé par Dieu pour annoncer, notamment aux captifs, que leur captivité va durer. Et par conséquent, toute la première partie du livre du prophète porte sur les prophéties de la destruction de Jérusalem jusqu'au moment où cette destruction est accomplie. Et on vient annoncer au prophète que Jérusalem a été détruite et qu'une nouvelle caravane d'exilés est en route pour rejoindre le premier contingent de ceux qui ont déjà été déportés. Et à partir de ce moment-là, le ton du prophète change. Et là où il y avait des prophéties de jugement, il y a des prophéties de rétablissement et d'espérance. Cette déportation n'est que temporaire. Et il y aura un temps de rétablissement. Ces prophéties de rétablissement commencent à partir du chapitre 33. Chapitre 34, il est question de la ruine des ennemis d'Israël, qui va permettre justement la rédemption et le retour. Chapitre 34 et 35, il est question du rétablissement des véritables bergers d'Israël, parce que les malheurs d'Israël viennent de ce qu'il a été conduit par des leaders qui n'étaient pas dignes de cette fonction. Par conséquent, la première étape de cette rédemption sera pour Dieu de rendre à Israël des bergers selon son cœur, et plus particulièrement le roi David, qui évidemment ici n'est pas le roi David à prendre au sens propre du terme, mais le descendant de David, c'est-à-dire le Messie. Chapitre 36, résurrection de la terre. Chapitre 37, rassemblement du peuple dans son pays. Et puis, nous avons ici, après ce rétablissement du peuple tout entier, aussi bien du peuple que de la résurrection de la terre, interviennent nos deux chapitres 38 et 39. Au moment où le peuple d'Israël est rassemblé dans son pays, la nouvelle de la prospérité retrouvée du peuple d'Israël parvient aux oreilles d'un peuple situé aux extrémités du Nord. Les extrémités du Nord, dans la Bible, sont considérées comme des endroits où habitent des peuples particulièrement barbares. Notamment, il y a un psaume aussi qui, selon les sages, fait allusion à la guerre de Gog et de Magog. C'est le psaume 121. Le psaume 120, qui dit ceci: malheureux que je suis d'habiter à Mécher, d'habiter dans les tentes de Kédar. Ici, nous retrouvons l'expression que nous allons rencontrer dans le texte, où Gog est prince de Mécher. Mécher, c'était, à l'époque de la Bible, l'extrémité du monde connu du côté nord. Tuval, c'était au contraire l'extrémité du monde connu, mais cette fois-ci du côté sud.
Et encore une fois, l'expression « mes chers », les peuples du Nord, les peuplades du Nord, étaient des peuplades particulièrement barbares. Et par conséquent, il est question ici, dans ce texte, d'un peuple qui vient d'au-delà du monde connu de l'époque et qui va se comporter vis-à-vis du peuple d'Israël d'une manière particulièrement barbare, selon la nature qui est la sienne. Ce n'est pas d'ailleurs un seul peuple dont il s'agit, mais c'est d'une coalition de peuples situés au nord. Et le but de l'invasion de ces peuples barbares, une invasion d'une grande brutalité, selon ce que nous apparaît dans notre texte, est justement de mettre fin à cette prospérité d'Israël, s'emparer du butin, et de prendre aussi possession d'un endroit qui est qualifié ici par notre texte de centre du monde, mais qui est à traduire, si l'on prend l'expression hébraïque « Tavour Haaretz » par l'expression « nombril du monde ». On pourrait s'arrêter longtemps sur le sens de cette expression, mais pour faire court une longue histoire, disons tout simplement que le pays d'Israël, la terre d'Israël, Eretz Israël, comme on l'appelle, est un carrefour stratégique essentiel depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Il est le carrefour où se rencontrent les routes qui viennent d'Asie et d'Afrique. Pour aller d'Asie en Afrique ou d'Afrique en Asie, on est quasiment obligé de passer par la terre d'Israël. La terre d'Israël est aussi un endroit où se rencontrent les océans. C'est une sorte de canal de Suez terrestre entre, d'une part, la Méditerranée, son prolongement l'Atlantique, et puis la mer Rouge et son prolongement l'océan Indien. Et dans ce sens, d'autres textes bibliques, mais notamment ici ce texte d'Ézéchiel, nous parlent du pays d'Israël comme du centre du monde, donc le nombril du monde. Ça veut dire que qui contrôle ce pays contrôle en quelque sorte le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle ce prince du Nord, Gog, que nous allons essayer d'identifier dans un instant, cherche à venir sur les montagnes d'Israël parce que, justement, elles sont ce centre du monde et que son but étant justement de s'emparer des richesses du monde, eh bien, il est obligé, dans cette perspective, de contrôler ce carrefour vital qu'est la terre d'Israël. Voilà donc ici ce que sont les origines de cette guerre eschatologique qui nous est ici décrite dans ce texte. Donc ici, les nouvelles du rétablissement d'Israël, peuple, nous est-il dit dans ce même texte, échappé au tranchant de l'épée, rassemblé de toutes les nations sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Et voyez-vous que ces deux expressions correspondent parfaitement à ce qu'est la réalité du peuple d'Israël aujourd'hui. Un peuple venu de toutes les nations et échappé au tranchant de l'épée, qui est rassemblé sur une terre d'Israël qui est restée longtemps déserte. Et c'est la raison pour laquelle cette prophétie ne peut en aucun cas s'appliquer au retour de l'exil de 536-537 avant Jésus-Christ, parce que ce retour de l'exil a eu lieu simplement de la région de Babylonie et de quelques régions voisines, y compris l'Égypte, mais en aucun cas il ne s'agissait de toutes les nations. Les montagnes d'Israël étaient restées relativement désertes, pas toutes entières d'ailleurs, pour une période de 50 ans. On ne peut pas dire des montagnes d'Israël longtemps désertes. Et si nous doutions encore du fait que cette prophétie ne peut s'appliquer à l'époque du retour de l'exil de Babylone,
Il y a cette expression que j'ai bien aimée dans la version que notre sœur a lue tout à l'heure, qui n'est pas toujours rendue de cette manière. « Ce sera après de longs jours, nous a-t-il dit, à la fin des temps. » Acheret Hayamim. Or, nous avons vu que les chapitres précédents nous présentent le peuple d'Israël échappé au tranchant de l'épée, rassemblé du sein de toutes les nations, chapitre 37, vision des ossements desséchés, rassemblement des ossements desséchés. Là, il faudrait aussi nous arrêter longuement sur cette prophétie extraordinaire. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désert, et qui ont été repeuplés, chapitre 36. Donc voyez-vous ici, ce chapitre 38 s'insère vraiment après cette grande vision qu'a eue le prophète et qu'il résume ici en ces mots, un peuple rassemblé du tranchant de l'épée sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Par conséquent, nous avons bien ici affaire à une prophétie eschatologique, une prophétie qui doit s'accomplir au temps de la fin. Autre point aussi tout à fait intéressant, c'est que cette prophétie est aussi construite selon la loi des cycles prophétiques que nous avons étudié ensemble lors de notre dernière session en février. Elle est construite sur le modèle de la sortie d'Égypte et notamment du passage de la mer des gens. Que s'est-il passé lors de la sortie d'Égypte? Eh bien, le peuple d'Israël a été miraculeusement délivré de la destruction et du génocide auquel le pharaon l'avait condamné en massacrant les enfants en particulier. Et il est sorti finalement libre en direction de la terre promise. Et à partir du moment où le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, le pharaon a regretté d'avoir autorisé le peuple d'Israël à sortir du pays d'Égypte et il a envoyé ses troupes pour tenter de le ramener, notamment parce que aussi il était parti, comme l'avait annoncé le Seigneur à Abraham, au bout de 400 ans, tes descendants quitteront ce pays d'Égypte avec de grandes richesses. Le but du pharaon est de récupérer ces richesses avec lesquelles les enfants d'Israël se sont enfuis. Or, il y a dans les prophètes, et dans toute la Bible, mais essentiellement chez les prophètes, on trouve ça aussi dans le Nouveau Testament, cette certitude que s'il y a eu un premier exode, il y aura aussi un dernier exode. Et que les événements qui se sont produits au moment de la création d'Israël, de la naissance d'Israël en tant que peuple, c'est-à-dire les événements qui nous sont rapportés dans le livre de l'Exode, se reproduiront au temps de la fin. De la même manière que le peuple d'Israël est sorti d'un esclavage, le peuple d'Israël au temps de la fin sortira d'un esclavage du sein de toutes les nations. Et cet esclavage, cette libération plus exactement, se produira après que des plaies se soient abattues sur les nations au sein desquelles le peuple d'Israël aura été dispersé, comme les plaies se sont abattues sur le pays d'Égypte. Vous retrouvez d'ailleurs ça dans le livre de l'Apocalypse de Jean. De la même manière que le peuple d'Israël a été libéré par un rédempteur qui était Moïse, de la même manière au temps de la fin, le peuple d'Israël connaîtra un deuxième rédempteur, un deuxième Moïse qui le libérera de cet esclavage et qui sera le Messie. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui a donné la Torah. Et lorsque Dieu fera sortir son peuple au temps de la fin, il lui donnera une deuxième Torah. Alors, ce thème du deuxième exode, selon la loi des cycles prophétiques, vous la trouvez dans toute la Bible, encore une fois, à la fois dans les Écritures et dans le Nouveau Testament, jusque dans l'Apocalypse. C'est essentiellement sur ce modèle du deuxième exode qu'est construit le livre de l'Apocalypse en particulier. Et par conséquent ici, la prophétie de Gog, elle est aussi construite sur ce thème du deuxième exode.
Que s'est-il passé? Ce qui a été décrit dans les chapitres précédents, depuis chapitre 33, c'est justement le fait que le peuple d'Israël a été rassemblé du sein des nations par l'intervention miraculeuse de Dieu, comme si c'était un peuple de cadavres, littéralement il nous est dit de massacrés, Arougim, qui ont été miraculeusement rassemblés sur la terre d'Israël. Ces gens-là ont redonné vie à la terre ancestrale. Et cette sortie qui s'est faite essentiellement du pays du Nord, vous avez de très très nombreux textes, notamment dans Jérémie, mais aussi dans Ézéchiel, qui nous disent que la diaspora essentielle d'où le peuple d'Israël sera tiré au temps de la fin est un grand pays du Nord dont l'identité ne nous est pas donnée. Le pays du Nord. Alors évidemment, les exégètes chrétiens considèrent toujours que le pays du Nord, c'est la Babylonie. Et que par conséquent, ces événements se sont accomplis lors du retour de l'exil en 536 avant Jésus-Christ. En fait, si vous prenez une carte d'Israël, vous vous rendrez compte que la Babylonie n'est pas exactement au nord d'Israël. Elle est plutôt à l'est. Nord-est, si vous voulez. Et les sages d'Israël ont bien compris depuis toujours cette réalité. Et ils ont considéré que, encore une fois, le peuple de Magog n'était pas la Babylonie. D'ailleurs, la Babylonie, dans la Bible, est désignée sous un autre vocable. On l'appelle le pays de Shinéar. Ou alors Aram-Naharaïm, le pays d'entre les deux fleuves, la Mésopotamie, si vous voulez, en grec. Par conséquent, ici, le pays de Gog est autre chose que la Babylonie. Maintenant, ces exilés sont donc sortis essentiellement du grand pays du Nord, exactement comme leurs ancêtres israélites sont sortis d'Égypte. Et voilà que le prince de Magog, qui a été contraint contre son gré de laisser partir les Israélites, comme le pharaon avant lui, regrette d'avoir laissé partir les Israélites, parce que les Israélites sont partis avec de grandes richesses et ont permis de rétablir dans ce pays autrefois désert un pays prospère qui va exciter les convoitises de ce nouveau pharaon qu'est Gog. De la même manière que le premier pharaon avait convoité ce que les Israélites avaient emporté, de la même manière le second pharaon, Gog, va lui aussi convoiter toutes les richesses de ce pays que les Israélites ont fait revivre. Et alors, il va avoir la même attitude que celle qu'avait eue le pharaon au moment du passage de la mer Rouge. Or, quand nous lisons ce récit du passage de la mer Rouge, où le pharaon se met à poursuivre Israël, nous nous rendons compte que c'est une réalité que Dieu a voulu, que Dieu a permise. Et si on pouvait suivre sur une carte l'itinéraire que Dieu a fait prendre aux Israélites quand ils sont sortis d'Égypte, c'est insensé. Les Juifs sont allés se mettre dans une véritable nasse, dans un véritable piège. Et c'est pourquoi justement ils crient, ils se révoltent contre Dieu. Ils disent, mais enfin, est-ce que tu nous as emmenés dans ce désert pour nous faire mourir? Et voyez-vous, ce qui se passe, Dieu sait ce qu'il fait, il emmène les Israélites dans cette nasse pour que ce soit une tentation pour Pharaon. Pharaon dit, ils sont à la portée de la main, c'est un fruit mûr, il suffit de les cueillir. Et Dieu savait ce qu'il allait faire, noyer Pharaon au travers des eaux de la mer. De telle manière que l'élite de l'armée égyptienne soit brisée à un point tel que plus jamais elle ne constitue une menace pour le peuple d'Israël pendant le temps où il serait dans le désert. Car si les Égyptiens n'avaient pas été exterminés au bord de la mer, eh bien l'armée des chars égyptiens aurait
continuer à représenter une menace permanente pour le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi Dieu a entraîné ainsi le peuple d'Israël dans une situation désespérée qui a été une tentation irrésistible pour le Pharaon, pour exterminer le Pharaon et écarter définitivement ce danger. Et vous retrouvez exactement le même schéma ici dans la guerre de Gog. La destruction des forces de Gog est la condition sine qua non pour l'établissement du royaume de Dieu. Et par conséquent, le rétablissement d'Israël dans sa dernière étape, c'est-à-dire le retour de l'Esprit sur Israël qui a été annoncé au chapitre précédent, au chapitre 37. Il faut donc que, à nouveau, ce qui s'est produit au bord de la mer Rouge se reproduise, qu'après être sorti essentiellement de ce grand pays du Nord, la Nouvelle-Égypte, eh bien, la situation d'Israël soit telle qu'elle suscite la convoitise de ce grand pharaon du Nord, que ce soit une situation telle qu'il ait l'impression aussi que maintenant le fruit est mûr, qu'il peut le cueillir. Et voyez-vous ici, ce qui est remarquable dans ce texte, c'est que ce peuple d'Israël qui a été rassemblé de toutes ces nations, mais essentiellement du pays du Nord, vit paisiblement dans un sentiment de fausse sécurité. Il n'y a plus de murailles à ces villes, il n'y a plus de verrous à ces portes. Ils se sentent parfaitement en paix et parfaitement en sécurité, de telle sorte que cette situation, je dirais, de quasi-désarmement du peuple d'Israël constitue pour le pharaon du Nord une véritable tentation, exactement comme l'arrivée des Israélites dans cette langue de terre qui était au bord de la mer des Joncs, non pas la mer Rouge, n'est-ce pas ? Était une véritable tentation pour le premier pharaon. Et s'imaginant qu'il va pouvoir s'emparer du pays d'Israël sans coup férir, Gog monte avec ses troupes contre le pays d'Israël. Et de la même manière que la situation des Israélites au bord de la mer Rouge avait été quasi désespérée, ainsi la situation des Israélites rassemblés de toutes les nations est quasi désespérée. Vous trouvez ça aussi, notamment dans les derniers chapitres du livre de Zacharie. En fait, se reproduit le même miracle que celui qui s'est produit au bord de la mer. Au lieu d'écraser le peuple d'Israël, c'est miraculeusement que les forces du nouveau pharaon, Gog, sont dispersées, anéanties, de telle sorte que plus jamais elles ne constitueront une menace pour le peuple d'Israël. Donc, voyez-vous, nous avons le même schéma. Maintenant, il y a par rapport au premier exode, si j'ose dire, une gradation. Déjà, dans le premier exode, les forces égyptiennes représentaient, incarnaient, on peut dire, les forces du mal, les forces sataniques. Et là, il y a dans toute la Bible, chez les prophètes, et par conséquent dans la tradition juive, l'idée que plus on approchera des temps de la fin, plus les puissances du mal se déchaîneront. Et il y a cette idée dans le judaïsme que le royaume messianique viendra dans un temps où tous les hommes seront pécheurs. Ou comme le dit le livre des psaumes, « Il n'y a pas un juste, pas même un seul ». Le Messie viendra dans une génération qui sera totalement corrompue. Vous retrouvez ça aussi un peu dans le Nouveau Testament. Or, justement, le royaume messianique est tout le contraire de cela. Le royaume messianique, c'est le royaume où la justice habitera, la paix habitera. Et pour que le royaume messianique s'établisse, il faut que les forces du mal, autrement dit les forces de Satan, subissent un coup décisif. Et voyez-vous, ici nous arrivons, entre le chapitre 37 et le chapitre 40 du prophète Ézéchiel, à une période intermédiaire. À la fin du chapitre 37 et au début du chapitre 38, le peuple d'Israël est rétabli sur sa terre, mais il n'y a pas encore en eux d'esprit. Et après la destruction de Gog au chapitre 39,
À la fin du chapitre, nous n'avons pas lu ça tout à l'heure, mais vous pourrez le relire chez vous, il y a effusion du Saint-Esprit sur Israël. L'effusion du Saint-Esprit sur Israël a pour condition préalable la destruction de Gog. Seulement la destruction de Gog provoque la Pentecôte d'Israël et l'effusion de l'Esprit sur Israël. Et après cette effusion de l'Esprit sur Israël, commence le chapitre 40 jusqu'au chapitre 47, où apparaît le Temple Nouveau, ça veut dire le royaume messianique. Sept longs chapitres où le prophète décrit d'une manière imagée ce que sera le royaume messianique qui sera établi parce que, au préalable, les forces des ténèbres, les forces sataniques, incarnées justement par cette coalition des nations du Nord, aura été anéantie, exterminée, comme l'ont été les Égyptiens au bord de la mer Rouge. Donc, si vous voulez, voilà grosso modo ce qu'est le schéma général de cette guerre de Gog. Maintenant, nous allons nous arrêter sur un certain nombre de détails. Pourquoi ce nouveau pharaon, les chrétiens appelleraient ça cet antichrist, porte-t-il le nom de Gog ? Qu'est-ce que ça veut dire, Gog, Magog, etc. Bien. En fait, nous trouvons déjà cette expression Magog dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, dans ce que l'on appelle la table des nations. Le chapitre 10 du livre de la Genèse nous décrit les nations qui sont sorties des descendants de Noé après le déluge. En fait, cette table des nations nous présente 70 nations qui sont sorties justement des trois fils de Noé après le déluge. D'où cette tradition qu'on trouve encore dans le judaïsme jusqu'à nos jours, qu'il y a 70 nations. Ces nations sont divisées donc en trois parties, selon les trois fils de Noé. Et notamment, nous trouvons parmi les descendants de Yaphet, ça veut dire le fils qui s'est établi dans la région nord, un individu qui s'appelle Magog et qui va donner naissance au peuple de Magog. Et comme dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est ce pays de Magog, ou plutôt ce peuple de Magog, est associé avec des peuples méchers dont nous avons parlé tout à l'heure, et notamment Togarma, que nous retrouvons aussi dans le chapitre 38 du livre du prophète Ézéchiel. Magog, c'est la transcription en hébreu d'un mot acadien, de deux mots acadiens, très précisément, Mat-Gougou. Mat, ça veut dire en acadien, ça veut dire la langue de la Mésopotamie ancienne, ça veut dire le pays. Gougou, c'était le nom du roi. Magog, c'est donc le pays de Gougou, qui nous donne en hébreu Gog. Ce pays est aussi connu des Assyriens. Dans les sources assyriennes, il est question de ce pays, de Mat-Gougou, c'est comme ça qu'il apparaît exactement. Et ce pays concerne, plutôt cette région, pour les Assyriens, est une région où les rois d'Assyrie ont guerroyé, qui se situe autour de la mer Noire, du Caucase et de la Turquie actuelle, et qui va jusque, disons, la région qui s'étend jusqu'à la Caspienne, région habitée des populations que les Grecs appellent les Scythes en particulier, ou aussi les Cimériens, qui sont des populations qui sont connues d'Hérodote, qui étaient des habitants des steppes de l'Asie centrale et qui s'étendaient dans ce qui est aujourd'hui la Russie, l'Ukraine, etc. Il est intéressant de noter que si l'on trace un trait avec une règle depuis Jérusalem en direction du nord, vous arrivez directement à Moscou. D'autre part, il est question de peuples qui sont associés à ce Gog, mais nous savons que à l'époque assyrienne, ça veut dire
au 7e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, les rois d'Assyrie avaient affaire avec toute cette région et tous ces peuples qui étaient les Scythes et les Cimériens cités par les Grecs. Et Hérodote nous parle de ces campagnes qu'ont menées les rois d'Assyrie dans cette région, en particulier en 652. Il évoque un certain Giges, que les sources assyriennes appellent Gaga, qui avait un royaume qui s'étendait depuis la mer Égée jusqu'à la mer Noire. Et selon les spécialistes, ce Giges n'était autre que le Gog, dont il est question dans notre texte, puisqu'il était pratiquement contemporain du prophète Ézéchiel. Mais bien entendu, lorsque nous lisons le texte d'Ézéchiel 38, nous constatons que ce Giges, Gaga, comme vous le voudrez, ou Gougou, n'est-ce pas? Évidemment, pour nous, ça sonne un peu drôle, c'est non. Ne servait, si vous voulez, que de prototype à une figure eschatologique que le prophète renvoyait à un avenir beaucoup plus lointain par rapport à son temps. Il prenait une... Si vous voulez, c'est comme si, par exemple, un prophète moderne, ou plutôt qui aurait vécu à l'époque d'Hitler, disait, au temps de la fin viendra quelqu'un que nous pouvons appeler Hitler. Bon, l'Hitler futur s'appellera pas Hitler, bien sûr, mais enfin, il aura quelque chose en lui de l'esprit d'Hitler. C'est ça un petit peu que le prophète voulait dire. Et là, nous trouvons une figure, comment dirais-je, virtuelle, auquel, justement, un roi contemporain de l'époque d'Ézéchiel prêtait en quelque sorte sa figure. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de noter que quels étaient les pays dans lesquels, justement, régnait ce roi. Bon, mes chers, on trouve aussi cette expression dans les sources grecques et dans les sources acadiennes. En acadien, c'est-à-dire chez les Assyriens, le pays de Mécher se nommait Mouché. Et les Grecs l'avaient transcrit en Moskoï. Bon, je ne tire pas de conclusion pour le moment, je vous cite simplement le fait. Ce pays était situé au nord de l'Arménie et se trouvait dans une région qui finalement était assez vaste parce que c'était une région de steppe, il n'y avait pas de frontières véritablement définies à ce pays. Les populations qui le peuplaient étaient des populations qui étaient aussi assez nomades, assez mouvantes. Un autre allié de Gog que nous trouvons dans la cité dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est Gomer. Gomer est aussi connu des sources assyriennes. Il est appelé Konors. Et chez les Grecs, c'était donc les Scythes. Ces gens étaient originaires d'Asie centrale, ils avaient été chassés du nord du Caucase, et ils habitaient la région de Tiflis en particulier. Après donc le pays de Gog, qui est essentiellement composé de ces quatre pays, Magog, Mécher, Tuval et Gomer, il nous est dit qu'il y a des alliés de Gog, des alliés qui sont tous situés aussi dans la région de Nord. Et d'une manière très intéressante, le premier des alliés de Gog n'est autre que Paras. Paras, c'est la Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel, l'Iran moderne. À lui est associée aussi la Médie. La Perse et la Médie, c'était deux pays qui sont toujours associés dans la Bible. Ensuite, il est question d'un pays qui s'appelle Kouch. Kouch, on l'a parfois traduit par Éthiopie. Dans le contexte, il faut plutôt y voir une autre désignation que l'on donnait de la Mésopotamie dans la Bible et par conséquent de ce qui est aujourd'hui l'Irak. Bon, vous voyez que ce sont des pays particulièrement calmes aujourd'hui, comme chacun sait. Et puis, nous avons ensuite des pays, effectivement, qui sont situés de l'autre côté d'Israël, beaucoup plus en Afrique. Un pays qui est appelé Put, qui correspond à Éthiopie-Soudan, grosso modo.
Et puis, le pays, un pays qui est situé dans ce qui correspondrait actuellement à l'Afrique du Nord actuelle. Il est intéressant de noter aussi que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 14, il est question du fleuve de l'Euphrate qui tarit pour permettre l'accès à la venue des fils des peuples de l'Orient qui doivent envahir justement tout le Moyen-Orient au temps de la fin. Et bien entendu, il est évident que l'auteur de l'Apocalypse, quand il a évoqué ces peuples de l'Orient, pensait évidemment à ces prophéties dont nous parlons ce soir. Il faut que la route des rois de l'Orient soit préparée. Et voilà ce qui nous est dit de cette coalition. Au temps de la fin, dit le prophète, des mauvaises pensées naîtront dans ton cœur. Et en fait, ces mauvaises pensées, de monter contre un pays tranquille, c'est moi, dit le Seigneur, qui les inspirerai. De la même manière que c'est moi qui ai poussé le Pharaon à poursuivre le peuple d'Israël au bord de la mer, de la même manière, c'est moi. Et là, vous avez des mots très forts. Je te contraindrai, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires et je te ferai venir de gré ou de force sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Et je te ferai venir de gré et de force sur ces montagnes pour que tu y périsses, pour que tu y meures, pour que tu y trouves ta destruction. Donc cette guerre finale, elle est non seulement permise par Dieu, mais elle est voulue par Dieu. Et cette armée qui vient du Nord, c'est une armée innombrable. C'est une armée qui vient comme une tempête irrésistible. Il y a un autre texte que nous trouvons aussi, de la même veine, c'est dans le livre du prophète Joël, où cette grande armée est représentée sous la forme d'une nuée de sauterelles. Vous retrouvez aussi ça dans l'Apocalypse. Et aussi, ces nuées de sauterelles, très intéressantes dans Joël, elles viennent aussi du Nord. Et voilà, il y a une attaque surprise de cette coalition contre Israël au temps de la fin. Israël est complètement pris à contre-pied et complètement pris par surprise par cette attaque. Et Israël se trouve dans une situation extrêmement difficile parce qu'il n'est pas prêt à faire face. Et même s'il était prêt à faire face, cette coalition est tellement importante que Israël n'est pas capable de lui résister. Mais en plus de ça, il est pris par surprise. Et c'est alors que nous voyons apparaître une deuxième coalition. Il nous a dit ceci, « Lorsque tu monteras contre Gog, les marchands de Tarchish, Séba, Dédan et tous leurs lionceaux te diront, est-ce pour faire du butin et pour te livrer au pillage que tu es monté au Gog avec ta grande armée ?» Par conséquent, à côté de cette coalition du Nord, par rapport à Israël bien sûr, nous trouvons ici une interpellation d'une autre coalition. Marchands de Tarchish. Tarchish, c'est aussi dans la Bible une des frontières du monde connu. Et plus particulièrement, si Mécher, nous l'avons vu tout à l'heure, était la frontière nord du monde connu, Touval, c'est-à-dire, si vous voulez, le sud de l'Arabie, la limite sud du monde connu, Tarchish était la limite ouest, c'est-à-dire, grosso modo, l'Espagne. Mais bon, il faut voir dans cette coalition, bien sûr, des puissances occidentales. Plus tard, il nous est dit ceci, dans le chapitre 39, nous n'avons pas lu, « J'enverrai le feu dans Magog et chez ceux qui habitent en sécurité les îles. » L'expression « les îles » revient aussi souvent dans la Bible, dans la géographie de l'époque. C'était au départ les îles de la Méditerranée, Chypre, la Crète, les îles de la mer Égée, mais par extension, c'était les côtes. Les côtes de la Grèce, les côtes de l'Italie, la Sicile, la Corse, la Sardaigne, et aussi les côtes du sud de l'Espagne. Et l'expression « les îles »
dans les îles lointaines, souvent ces îles sont qualifiées de lointaines dans la Bible, représentent l'Occident par rapport à Israël, c'est-à-dire en grosso modo l'Europe. Il est très intéressant de noter que la prophétie, quand elle parle de ces îles, de ces gens de Tarchiche, les qualifie de marchands. Donc, cette deuxième coalition est une coalition de marchands, de peuples marchands, de peuples commerciaux, de peuples dont le lien entre eux est essentiellement un lien d'ordre économique. Ces marchands de Tarsis et leurs lionceaux, c'est-à-dire leurs satellites, on pourrait dire, sont associés avec deux autres puissances dont il est aussi souvent question dans la Bible, Sheva et Dedan. Sheva et Dedan, ce sont des peuples qui sont souvent cités comme étant les représentants de tous ces peuples qui résidaient dans la péninsule arabique et dans toute la région du Golfe arabo-persique, en quelque sorte. Peuples qui, aujourd'hui, sont essentiellement les principaux producteurs de pétrole et qui sont associés avec l'Occident. Or, on sait que depuis de longs siècles, la politique des tsars, c'était d'avoir un accès sur les mers chaudes et notamment d'avoir un débouché, c'était un début de la guerre froide, d'avoir un débouché justement dans les pays pétroliers. On sait aujourd'hui que aussi la Chine a des visées expansionnistes dans cette région parce qu'elle a aussi besoin de pétrole. Et par conséquent, toute cette région de Seba et d'Edan est une région qui a toujours été très convoitée. Et ici, cette coalition de Gog qui a lieu à la fin des temps, eh bien, ne peut, dans ses visées expansionnistes, que se heurter à la coalition occidentale qui contrôle les régions de Sheva et d'Edan et par conséquent de ces lionceaux, ça veut dire qui sont en quelque sorte des satellites de l'Occident. Or, ce qui est très intéressant, c'est que cette deuxième coalition, elle interpelle la coalition de Gog d'une manière assez timide. Parce que, manifestement, cette coalition, elle aussi, est surprise, et elle est prise à contre-pied par cette attaque surprise de Gog. Et il y a une réaction, somme toute, assez molle. Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la signification de cette attaque? Et il est très intéressant de noter aussi que, actuellement, on voit se mettre en place au sein du monde musulman, de ces deux blocs. Nous avons vu qu'il y a, d'une part, l'Iran et l'Irak qui sont associés au bloc de Gog. Or, l'Iran et l'Irak, aujourd'hui, constituent ce que l'on appelle l'islam chiite. Un islam qui est un islam beaucoup plus dur que l'islam sunnite. Et actuellement, effectivement, l'islam chiite est entraîné par l'Iran. Et en face de cet islam chiite qui commence à nouveau à s'appuyer sur les États-Unis et la Chine, la Russie et la Chine, excusez-moi, et aussi bien sûr les républiques qui sont devenues indépendantes depuis la chute du mur, qui étaient les républiques du sud de l'Union soviétique, qui sont essentiellement des républiques musulmanes. Vous avez de l'autre côté l'islam sunnite qui est groupé autour de l'Arabie saoudite, détentrice des lieux saints de la Mecque et de Médine, et qui, elle, est au contraire ennemie du chiisme et associée au bloc de l'Ouest, au bloc occidental. Donc nous voyons ici se mettre en place une confrontation, une coalition de deux blocs. Ce qu'on pourrait appeler le bloc du Nord,
et puis le bloc de l'ouest ou du sud, comme vous voudrez. Et pendant un temps, au moment de cette attaque de Gog, ah, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important, c'est que dans le bloc de Gog, nous trouvons aussi la Turquie actuelle. Et il est très intéressant de noter qu'actuellement aussi la Turquie est en train d'être travaillée par des courants intégristes, et l'avenir de la Turquie, vous savez, est un problème, y compris pour l'Europe. Et voilà donc ici cette interpellation timide. Tellement timide que Gog pense pouvoir passer outre. Et il ne pense pas que le bloc occidental aura l'audace de lui résister. Très intéressant de noter aussi que nous avons actuellement aux États-Unis un président qui, par rapport à l'islam dur, serait assez laxiste. Bon, je n'en tire pas plus de conclusions, je note le fait. Et voilà donc ici, cette attaque de Gog se développe, se poursuit. Et vient un moment où le bloc de Tarchiche considère que ses intérêts vitaux sont en danger, et il va y avoir une riposte qui nous est décrite dans le chapitre 39 que nous n'avons pas lu. Et au moment où effectivement Gog pense avoir atteint ses buts, d'avoir submergé le pays d'Israël comme une nuée, et au-delà évidemment aussi le Moyen-Orient, eh bien, de la même manière que le pharaon a connu une déroute au moment où il pensait toucher au but, ainsi le nouveau pharaon, Gog, va connaître aussi la déroute. Et cette déroute, elle commence d'abord par une réaction totalement imprévue du bloc de Tarsis. J'enverrai le feu dans Magog, donc à l'intérieur de son pays. Or, le feu, à l'époque biblique, on avait du mal à comprendre ce que ça veut dire le feu. Aujourd'hui, évidemment, quand nous parlons de feu, nous pensons immédiatement au feu atomique. Et finalement, l'Occident considère que ses intérêts sont tellement compromis, eh bien, qu'il va réagir, y compris avec des armes de destruction massive. J'enverrai le feu dans Magog, et la suite du verset nous dit, et chez ceux qui habitent en sécurité les îles. Ça veut dire, il y a une riposte de Gog. Non seulement Gog est attaqué par la coalition de Tarchish, mais il riposte, et finalement les deux entités connaissent un terrible jugement par le feu, qui a souvent été décrit par les prophètes, et que nous retrouvons aussi décrit dans le livre de l'Apocalypse. Notamment dans le dernier chapitre du prophète Zacharie, où sont décrites justement les conséquences de cette dernière guerre eschatologique, et on a souvent noté que ce qui se passe, leurs yeux tomberont en poussière dans leurs orbites, etc., correspond exactement à ce qui s'est passé à Hiroshima au moment de l'explosion de la première bombe atomique. Première, donc, dérapage de l'expédition de Gog, cette riposte totalement inattendue de sa part du bloc de Tarchiche. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Parce que, nous dit la suite de notre récit, à l'intérieur même de la coalition de Gog, des dissensions éclatent. Et il nous est dit, j'armerai chacun contre son frère. Et finalement, sur les montagnes d'Israël, la coalition de Gog, eh bien, s'autodétruit. Il y a une guerre qui intervient à l'intérieur même de la coalition. Et ce scénario, qui nous est décrit ici par le prophète Ézéchiel, se retrouve aussi dans le livre du prophète Daniel. Et là, nous retrouvons à peu près le même scénario, dans les chapitres 11 et 12 du livre du prophète Daniel, où nous voyons le peuple d'Israël, le pays d'Israël, pris en sandwich entre deux coalitions, le roi du Nord et le roi du Sud. Et ces rois du Nord et ce roi du Sud
s'unissent entre eux pour attaquer ce que le prophète appelle le plus beau des pays et établir ainsi leur pouvoir entre les mers, entre les deux mers. Nous avons vu tout à l'heure que le pays d'Israël est un pont entre, d'une part, le système Méditerranée-Atlantique et mer Rouge-Océan Indien. Et nous voyons ici que dans cette guerre qui est décrite, cette guerre eschatologique qui est écrite dans le livre du prophète Daniel, l'enjeu du conflit, c'est le contrôle justement de ce carrefour de route et de mer. Le roi du Nord essaie d'établir sa tente entre les deux mers, ça veut dire entre la Méditerranée et la mer Rouge. D'autres prophéties de Daniel nous montrent cette alliance entre le roi du Nord et le roi du Sud comme une alliance contre nature. Chapitre 2, entre le fer et l'argile. Le fer et l'argile ne peuvent pas s'entendre. Et finalement, cette alliance contre nature qui n'a d'autre but que la destruction d'Israël et la possession justement de ses richesses, de sa situation stratégique, eh bien, fait que ces deux entités qui ont composé cette alliance finissent par se brouiller entre elles et à se battre l'une contre l'autre. Et cette bataille entre les deux rois, le roi du Nord et du Sud, vous est décrite dans le dernier chapitre du prophète Daniel en particulier, et nous la retrouvons ici dans le livre du prophète Ézéchiel. Et enfin, last but not least, comme on dit en anglais, dernier mais pas le moindre, vous avez l'intervention de Dieu lui-même. Dieu qui fait pleuvoir sur Magog du feu, du soufre, qui fait en sorte que des tremblements de terre, des catastrophes, des séismes naturels viennent mettre fin justement au projet de Gog, exactement comme cela s'était produit au moment du passage de la mer, où Dieu avait employé des phénomènes naturels pour exterminer le pharaon. Et finalement, cette grande expédition militaire de Gog se termine par une déroute totale, exactement comme s'était terminée la guerre de Pharaon contre Israël, par une déroute totale. Gog est exterminé avec ses troupes. Et c'est une telle hécatombe sur les montagnes d'Israël, c'est très intéressant, les montagnes d'Israël, ça veut dire la Judée-Samarie, c'est essentiellement les régions qui sont aujourd'hui contestées. Et puis, cette guerre, quand nous la lisons dans le livre d'Ézéchiel, se propage aussi en Transjordanie, notamment sur la région est de la mer Morte, la région de Botsra. Et là, finalement, c'est dans cette région, à l'est de la mer Morte, que les forces de Gog connaissent l'estocade finale, si j'ose dire. Et c'est dans cette région que, devant cette hécatombe de toute cette grande armée qui est venue sur les montagnes d'Israël, eh bien, il faudra 7 ans, nous dit le chapitre 39, pour enterrer les morts de Gog. Ce détail est là pour nous montrer l'importance de la déroute que connaît l'armée de l'adversaire. Et justement, nous avons vu que cette destruction de cette grande armée était la condition sine qua non pour l'établissement du royaume de Dieu. Et comme conséquence, justement, de cette déroute de l'armée de Gog, il y a 3 résultats. Le premier, les nations connaîtront que je suis l'Éternel. Parce que la disproportion des forces sera telle entre le petit peuple d'Israël et l'immensité de l'armée ennemie qui sera venue contre lui, que, évidemment, quand les nations verront, les nations neutres, disons, si tant est qu'il puisse y avoir des nations neutres à cette époque, enfin, disons, les nations n'auront aucun doute, l'État d'Israël est perdu. Et le retournement de situation sera tel que plus personne ne pourra douter qu'il y a eu une intervention surnaturelle et miraculeuse. Et que par conséquent, il y a un Dieu qui dirige les événements. Alors,
je serai sanctifié aux yeux de toutes les nations par toi, ô Gog. » Vous savez, c'est le Notre Père, ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que nous disons quand nous disons que ton nom soit sanctifié? Nous disons que tu sois reconnu dans ta puissance, dans ta gloire, dans ta grandeur par tous, par le monde entier. Et pour que Dieu soit reconnu dans un monde athée comme celui qui intervient dans l'histoire, il faut que cette intervention soit tellement grande, tellement évidente, tellement indiscutable, que le plus endurci ne puisse plus en douter. Et le miracle sera tellement grand qu'effectivement, à cette époque-là, plus personne ne pourra douter que Dieu est véritablement intervenu en faveur d'Israël. Et nous avons exactement le même schéma que lors de la traversée de la mer, la sortie d'Égypte. Le chapitre 15 de l'Exode, vous avez ce qu'on appelle le cantique de la mer. Et là, il nous est dit ceci, « Les nations le voient, toutes les nations ont vu tous ces exploits, toutes ces grandes choses que Dieu a fait pour Israël en le faisant sortir d'Égypte et en le délivrant de ses ennemis dans la mer, qui est la conclusion, c'est le point final, le point d'orgue de la sortie d'Égypte. Les nations le voient et elles tremblent. Le Seigneur a été sanctifié aux yeux des nations par la délivrance d'Israël. Et alors, le cantique de la mer se termine par ce texte, « L'Éternel règnera d'éternité en éternité. » Ça veut dire que la destruction de l'armée de Pharaon est le début de l'établissement du royaume de Dieu. Ce texte de Exode 15 est la première fois où la notion du royaume de Dieu apparaît dans la Bible. L'Éternel règnera. Et Dieu manifeste son bras, Dieu manifeste sa force, et c'est le début de l'établissement de son règne. De même, lorsque Gog, les armées de Gog seront exterminées, et que Dieu sera sanctifié, sera reconnu pour ce qu'il est aux yeux de toutes les nations, comme il l'a été après la traversée de la mer, ce sera aussi le début de l'établissement du royaume de Dieu. Première conséquence. Deuxième conséquence, l'Esprit de Dieu sera répandu sur Israël. Je répandrai mon Esprit sur vous. C'est-à-dire la troisième et dernière étape du rétablissement d'Israël qui est décrite dans le chapitre 37, le chapitre précédent. Première étape, rassemblement des ossements desséchés. Deuxième étape, résurrection de la terre. Et troisième étape, effusion de l'Esprit sur Israël. Encore une fois, l'Esprit ne peut être répandu sur Israël, et Paul nous dit ça aussi dans l'Épître, dans l'Épître aux Romains chapitre 11, n'est-ce pas ? Et on a ça dans Zacharie aussi, « Je répandrai un esprit de grâce et de supplication sur la maison d'Israël, ils tourneront le regard vers moi sur celui qu'ils ont percé. » Cela ne pourra venir qu'après la destruction de ces forces des ténèbres. Et troisième et dernière conséquence, l'établissement du royaume millénaire, qui est décrit dans les chapitres suivants, 40 à 47, que nous avons vu tout à l'heure. Jérusalem rétablie dans sa gloire, dans sa puissance, le temple reconstruit, et finalement le livre du prophète Ézéchiel se termine par cette parole, où l'on voit toutes les nations aussi qui montent en pèlerinage à Jérusalem et au nouveau temple. Alors Jérusalem portera un nom nouveau, Yerushama, l'Éternel est là, l'Éternel est présent. Toutes les nations diront, l'Éternel est là, et vous avez aussi cette parole, c'est là le tabernacle, mon tabernacle au milieu des hommes, c'est là que j'habiterai avec eux. Dernier point avant de conclure. Les sages d'Israël modernes nous disent une chose. En 1973, s'est produit un événement eschatologique qui est passé inaperçu de la plupart des nations, y compris des chrétiens, mais qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de ceux qui étudient la Bible en Israël.
le 6 octobre 1973, qui était le jour du Kippour cette année-là, Israël a été attaqué par surprise par une coalition de ses ennemis au nord et au sud, la Syrie et l'Égypte. C'est ce qu'on a appelé la guerre du Kippour. Et Israël a été pris à un moment où il était désarmé, où chacun des Juifs était dans les synagogues en train de prier, où l'on avait complètement ignoré le gouvernement israélien et l'état-major israélien avait ignoré les avertissements des satellites américains qui avaient repéré des concentrations de troupes arabes à ses frontières, et les dirigeants israéliens n'avaient pas voulu croire qu'ils allaient être attaqués, même si leurs services secrets les avaient annoncés. Et cette guerre du Kippour en 1973 a éclaté d'une manière totalement imprévue. Israël a été pris par surprise, a été totalement débordé par les forces arabes. Et au bout de quelques jours, miraculeusement, la situation a commencé à se retourner. Et lorsque la situation s'est retournée, l'Union soviétique, qui avait encore une fois déclenché cette guerre, a été tenté en tout cas, d'intervenir directement dans le conflit. 6 divisions parachutées soviétiques ont été mises en état d'alerte et les avions qui les transportaient ont décollé pour que ces parachutistes soient parachutés en Israël. Et lorsque les États-Unis ont été avertis que ces divisions parachutées soviétiques avaient décollé, l'alerte rouge a été lancée. Pour la première fois, une des premières fois, le téléphone rouge, vous savez, le téléphone qui reliait la Maison-Blanche au Kremlin, a été décroché et le président des États-Unis, le président Nixon, a annoncé que si les avions soviétiques ne faisaient pas demi-tour, le feu atomique allait être déclenché. Les forces atomiques américaines ont été mises en état d'alerte et on a été à 2 doigts de la guerre atomique mondiale. Et bien entendu, ce scénario, ce qui s'est produit pendant cette guerre du Kippour, ressemble point par point à la description qui a été faite par le prophète Ézéchiel. Maintenant, ce qui a frappé les sages, c'est que cette guerre, qui avait un caractère eschatologique, a éclaté le jour du Kippour. Et le jour du Kippour est, dans la tradition juive, une anticipation du jugement dernier. Et la guerre de Gog sera la guerre du jugement dernier. Elle sera le jugement de Dieu sur les nations. Il y a dans la tradition juive cette idée que tout ce qui se produit le jour du Kippour avant la sonnerie du shofar, le soir du Kippour, qu'on appelle la Nehila, c'est-à-dire la fermeture, est scellé dans le ciel. Il y a ce qui se produit le jour du Kippour, c'est le début d'un processus qui est irréversible, qui est scellé devant Dieu et sur lequel on ne peut pas revenir. Et parce que cette guerre que l'on a appelée, que les sages ont appelée la guerre du jugement dernier, a éclaté le jour du Kippour, ils ont dit, eh bien, c'est le début de ce processus irréversible où il est dit, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Il y a un processus irrésistible qui conduit les nations et le monde entier, et le peuple d'Israël, vers cette guerre eschatologique de Gog. Et depuis ce temps, disent les sages, on est entré dans l'époque de Gog et de Magog, qui s'achèvera par cette grande bataille dont nous avons parlé. Alors on pourrait dire, mais la Russie a disparu, l'Union soviétique a disparu après la chute du mur de Berlin. Oui, mais nous voyons qu'actuellement, l'Union soviétique, plutôt la Russie est en train de ressurgir comme alliée justement de l'Iran, de ces peuples extrémistes, et a de nouveau des visées vers les pays du Golfe, et aussi vers Israël, vers le plus beau des pays. Alors, je ne vais pas conclure, simplement en disant que, comme les sages, la guerre du Kippour a montré que nous sommes entrés dans la période des grands jugements, d'un monde impie, un processus irrésistible est engagé,
et ces jugements de Dieu sont devenus aujourd'hui pour l'humanité inévitables. Mais s'achèveront justement par l'établissement du royaume de Dieu. Il faut que ces choses arrivent pour que ces trois événements se produisent, que Dieu soit reconnu comme Dieu, comme le roi de l'univers, que son royaume, sa royauté soit reconnue, pour qu'Israël se tourne vers Jésus et que l'Esprit de Dieu soit répandu sur Israël, et pour que s'établisse le royaume de justice et de paix où la justice habitera. Voilà, si vous avez deux ou trois questions, on ne va pas trop prolonger ce soir, mais si vous avez deux ou trois questions sur ce sujet, je suis prêt à essayer d'y répondre. Oui ? Je voudrais une précision. Tout à l'heure, tu as parlé de la Turquie. Est-ce qu'en Turquie même, il y a des chiites et des sunnites ? Non. Non, alors ils sont de quel côté ? Sunnites, mais enfin bon. Sunnites, d'accord. Ouais. Et puis, j'ai une autre question aussi concernant Pierre. Dans la description qu'il fait de la terre qui va être détruite, un jugement par le feu. Par le feu, c'est la guerre nucléaire aussi. Je pense. D'accord. Et certain que ces jugements par le feu, qui sont souvent décrits dans la Bible, chez les prophètes, chez Pierre, chez l'Apocalypse, semblaient impossibles il y a quelques dizaines d'années avant l'invention de la bombe atomique. Et qui, depuis l'invention de la bombe atomique, eh bien, malheureusement, prennent toute leur signification. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est j'ai deux questions. Je ne sais pas si c'est dû à mon retard, mais je m'excuse déjà. En fait, je voulais savoir si la guerre d'Armageddon, non pas l'Apocalypse, a un lien avec la guerre. Bien entendu. Si c'est la même guerre ou. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant, il faut savoir que Gog et Magog, ça signifie une période. Ça signifie une période de trouble qui sera marquée par des guerres et aussi des moments où ça ira un peu mieux. Hein, c'est pas une guerre unique, c'est pas une bataille unique, c'est un ensemble de d'événements politico-militaires, etc., qui vont provoquer une période de trouble. En fin de compte, la période de Gog et Magog, c'est une période de trouble. Et qui s'achève justement par la grande bataille qui a été décrite ici dans le livre d'Ézéchiel et que nous avons essayé de suivre. Alors bien sûr, la guerre d'Armageddon, c'est vrai ce qu'on appelle Armageddon. Ça, je pourrais vous expliquer pourquoi Armageddon. Parce que si vous voulez, quand on vient du nord d'Israël, un adversaire, un conquérant qui veut conquérir Jérusalem doit obligatoirement prendre le contrôle de ce verrou qu'est la passe de Megiddo, qui est une passe entre d'une part les montagnes du Carmel et d'autre part les montagnes de Samarie, qui fait à peu près 35 km de long. Et cet endroit a toujours été la clé, le verrou de la possession d'Israël. Et nous voyons justement que quand nous remettons les différentes prophéties entre elles, que finalement la guerre eschatologique, elle va depuis Megiddo justement, jusqu'à Botsra, c'est-à-dire à la région est de la mer Morte dont nous parlions tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, les guerres modernes sont plus localisées sur un champ de bataille de 3 hectares, quoi, hein. Les guerres modernes, elles s'étendent sur un front de centaines de kilomètres, quoi. Hein. Bon, ça, c'est pas des centaines. Si, c'est des centaines de kilomètres, quand même. Voilà. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la deuxième Torah. Je ne sais pas si vous avez parlé à propos de la terre d'Israël. À ce moment-là, ce n'est pas la deuxième Torah. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Je voudrais savoir à quoi vous Israël recevra une deuxième Torah. Oui, une deuxième Torah. Oui, alors la deuxième Torah, c'est l'Évangile. Et vous retrouvez ça dans Jérémie 31. Voyez-vous, Jérémie 31 est un texte très intéressant. Une seconde, je termine ça. Qui nous parle justement du retour de l'exil. Et notamment, justement, ils viennent du pays du Nord. Parmi eux et la femme enceinte, etc. Ils viennent en pleurant, tout ça. Et après ça, quand le peuple d'Israël revient dans son pays, il dit « Voici, je fais avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » C'est-à-dire une nouvelle Torah. Dieu donne une nouvelle Torah. Ça veut dire que dans ce temps-là,
du moins on peut le comprendre comme ça, que dans ce temps-là, au temps de ce retour, eh bien, Israël se tournera vers l'Évangile, la nouvelle alliance. Parce que le Nouveau Testament, c'est quoi ? Nouveau Testament, c'est du vieux français. Testament, dans ce sens-là, n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui, ça veut dire d'un contrat qui prend effet après la mort du testateur. Hein ? Testament, en vieux français, c'était alliance. Donc, on a ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et en hébreu, Nouveau Testament, ça se traduit par Brit Hadasha, qui est exactement l'expression que vous trouvez dans Jérémie 31. Donc, dans ce temps-là, Israël recevra la Nouvelle Alliance, ça veut dire qu'il recevra l'Évangile, qui sera la deuxième Torah. Oui, une sœur ici avait... Oui. De nombreux commentateurs chrétiens concernant les temps eschatologiques pensent que l'Antichrist sera le chef de la coalition occidentale. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, quand vous regardez les textes aussi bien dans les Écritures que dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a deux Antichrists. Vous avez le roi du Nord et le roi du Sud. Et dans l'Apocalypse, vous avez deux bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. L'expression d'Antichrist, elle n'apparaît que dans les épîtres de Jean. Et ce que nous appelons l'Antichrist, vous le trouvez mentionné sous différentes désignations. Par exemple, Paul l'appelle l'homme impie, le fils de la perdition, qui est une traduction d'un terme que vous trouvez dans Ésaïe 11, du souffle de sa bouche, le Messie, donc il fera périr l'impie. Vous avez ça dans Ésaïe 11. Et dans l'Apocalypse de Jean, l'expression d'Antichrist non plus n'apparaît pas. Mais vous trouvez une première expression, la bête et le faux prophète. Le deuxième Antichrist est le faux prophète. Et l'idée de deux Antichrists, elle vient de la tradition juive, notamment à partir du texte de Daniel. Et vous retrouvez donc ici cette idée qu'il y aura donc un Antichrist du Nord, c'est-à-dire aussi du monde en quelque sorte, du monde blanc, si je veux dire, du monde occidental. Hein. Et puis, vous avez un Antichrist du Sud. Au Moyen-Âge, les sages d'Israël l'ont assimilé avec l'islam. Vous avez aussi le psaume 83, qui est un psaume qui, selon les sages, décrit la guerre de Gog. Il est dit « Venez, faisons-les disparaître du sein des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Ils se concertent, Édom avec les Ismaélites. Édom, l'Occident, avec les Ismaélites, l'Orient, c'est-à-dire le monde musulman. Et justement, l'interprétation des sages, c'est que il y aura cette tentative de fusion au temps de la fin entre l'Occident et le monde islamique, et que cette fusion sera comme finalement la tentative d'allier le fer et l'argile, et qu'en fin de compte ça ne réussira pas, et cette coalition finalement disparaîtra sur les montagnes d'Israël, dans ce sens que les deux membres de la coalition, les deux rois, se feront la guerre et s'auto-détruiront, ce qui sera aussi le salut d'Israël, quoi. Bien, une dernière question. Oui, deux dernières questions. Excusez-moi, je ne vais pas prolonger ce soir parce que je suis très fatigué, je n'ai pas dormi de la nuit. Je vais passer la nuit dans l'avion en rentrant d'Israël, alors j'ai besoin de... Voilà, donc on va terminer par ces deux questions, si vous le voulez. Bien, notre... Oui, notre sœur, allons-y. Allez-y, je vous écoute.
À partir du livre de Daniel. Oui. Que je lisais aujourd'hui jusqu'au chapitre 8 et qui ressemble énormément à l'histoire que vous étiez en train de raconter. Oui. C'est la vraie histoire que vous êtes en train de nous raconter, qui ressemble franchement à la prophétie de l'Apocalypse, qui le fait poser la question est-ce que nous entrons dans un nouvel ordre mondial qui nous améliorerait vers la guerre, l'escapologie finale par les bombes atomiques, les substances économiques et l'innovation. Si vous voulez, il y a cette idée dans la Bible. Donc dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse, dans tout ce que vous évoquez, il y a cette idée qu'au temps de la fin, Dieu qui a laissé en quelque sorte un temps de grâce à l'homme. Pendant 2000 ans, il a laissé un temps de grâce à l'homme. Et vous avez ça aussi dans le psaume 2, l'idée qu'au temps de la fin, les nations rejettent la grâce de Dieu. Psaume 2, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Et alors ça, vous avez un vieux commentaire qui date du Moyen-Âge, dans sa forme actuelle, mais qui remonte à l'état oral, à l'époque de Jésus, grosso modo, un peu avant. Vous avez cette idée que les chaînes et les liens dont les nations, au temps de la fin, chercheront à se libérer, ce sont justement les chaînes de la Torah. De là naît l'idée que vous trouvez déjà dans le prophète Daniel d'une apostasie, ça veut dire la révolte de l'humanité au temps de la fin contre Dieu. Et devant ce rejet de la grâce de Dieu, eh bien, Dieu laisse les nations, vous dites, ben, vous voulez ça maintenant, eh bien, il laisse Dieu, jusque maintenant, si vous voulez, jusqu'à ce temps-là, restreint les forces du mal, il les réprime. Vous avez ça aussi dans l'Apocalypse, les esprits, quatre esprits mauvais qui représentent l'universalité, qui sont retenus par des anges, qui empêchent ces puissances du mal, ces puissances des ténèbres de se déchaîner sur la terre. Dieu maintient en quelque sorte l'état du monde pour faire en sorte qu'il soit un état vivable, de telle manière que les hommes puissent recevoir l'Évangile et être sauvés. À partir du moment où il devient clair que les hommes ne veulent pas l'Évangile et que la majorité d'entre eux se révoltent contre l'Évangile, y compris chez ceux qui l'ont reçu, alors Dieu libère les forces des ténèbres. Il dit, ben, laissez-les aller. Et donc, c'est la raison de tous ces bouleversements terribles qui se produisent au temps de la fin, parce que les forces des ténèbres sont déchaînées. Vous comprenez? Vous retrouvez ça aussi à la fin de l'Apocalypse, après les 1000 ans, où il nous est dit à nouveau que Satan est délié, Satan qui a été lié pendant les 1000 ans, est délié au temps de la fin, et que, à nouveau, les forces de Gog et Magog, on retrouve à la fois cette notion, montent à nouveau contre Jérusalem. Vous avez à nouveau un cycle prophétique, et pour une deuxième fois, eh bien, les forces de Gog et Magog montent pour essayer de s'opposer au plan de Dieu. Vous voyez ? Donc, vous avez cette réalité d'une apostasie que vous retrouvez aussi chez Paul dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, où il est dit qu'avant que ne vienne la fin, il faut qu'on ait vu venir l'apostasie. Mais, finalement, ce temps court du déchaînement sans précédent, justement, du jamais vu de toutes les forces des ténèbres, est heureusement très court, momentané, parce que, justement, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais Dieu intervient justement pour éviter la catastrophe finale et l'autodestruction du monde. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi de l'Évangile. Ma question va dans le sens de la question que la sœur a posée. Vous avez donné des détails, mais j'ai été plus d'une fois interpellée dans ce que vous disiez. Où, quelle heure est-il à la pendule de Dieu pour notre époque actuelle? Parce que beaucoup de signes dont vous avez parlé sont déjà là. Eh oui. Eh oui. Alors, bon. Où en sommes-vous? Comme dit Jésus, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais enfin, Jésus a dit une chose très intéressante aussi,
à la fin du discours sur les temps de la fin, j'en parlais avec les amis qui étaient avec moi en Israël ce jour dernier, quand on était sur le Mont des Oliviers, justement, il a dit « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive ». Alors, attention à la traduction du mot « génération », l'hébreu « dor ». « Dor », ça veut dire littéralement un cercle. Par extension, une assemblée, des gens qui sont ensemble. Et donc, des gens qui vivent dans une époque donnée, d'où par extension, l'idée d'une génération. Une génération, c'est des gens qui vivent dans une même époque. Et ici, quand Jésus emploie en hébreu le mot « dor », il ne signifie pas pour nous, si vous voulez, ce qu'on appelle une génération au sens strict du terme. C'est-à-dire, les gens qui vivront dans cette période qui sera la période de Gog et de Magog, eh bien, cette période de Gog et Magog ne se terminera pas sans la venue du Fils de l'homme. Ça veut dire, quand vous verrez ces choses arriver, dit Jésus, sachez que l'été est proche, sachez que la venue du Fils de l'homme est proche. Et vous avez, ce texte est tiré du psaume 102. Le psaume 102 est aussi un psaume qui évoque la période finale de l'histoire. Une période qui, selon les sages, commence par ce qu'on appelle la Shoah. Si j'avais le temps de vous développer le psaume 102, vous verriez qu'il y a une description extraordinaire de la Shoah. Mes os s'en vont fumer, mon corps devient de la cendre, j'oublie de manger mon pain, on voit tous mes os, etc. Bon. Et il nous a dit, quand cela arrivera, vous saurez que c'est le temps de la fin. Le temps de rétablir Sion, le temps fixé est arrivé. Et ensuite il dit, que cela soit écrit pour la génération dernière, ce qui n'est souvent pas traduit de cette manière dans nos Bibles, parce que d'or à Haron, ça peut se traduire aussi par qui vient. Et comme on n'a pas compris, les traducteurs n'ont pas compris ce psaume, ils ne savent pas que c'est un psaume messianique, les juifs le savent, mais pas les chrétiens. Ils ont traduit que cela soit écrit pour la génération future, quelque chose comme ça, ce qui veut strictement rien dire. En fait, dans le contexte, il faut traduire le deuxième sens de Haron par que cela soit écrit pour la génération dernière. Ça veut dire, dans le même sens d'un temps, quand vous verrez le rétablissement de Sion et la Shoah, vous saurez que c'est la génération dernière. C'est le temps de la guerre de Gog. Et alors, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Par conséquent, quand vous verrez ces choses, dit Jésus, sachez que l'été est proche. Et il prend la comparaison du figuier. Actuellement, nous étions en Israël ce jour dernier, et c'est une période absolument extraordinaire, parce que c'est l'époque où les arbres fleurissent. Tous les arbres, les premiers arbres sont en fleurs, l'amandier et le figuier en particulier. Vous avez... toute la terre d'Israël est absolument magnifique, c'est la plus belle saison de l'année. Vous avez des fleurs partout. Et c'est le cœur de l'hiver. Nous sommes en plein hiver aujourd'hui, en ce moment. Il faisait plus froid à Jérusalem qu'ici. Quand je suis arrivé ici ce matin, eh bien, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup plus chaud à Paris que faisait à Jérusalem. Nous sommes au cœur de l'hiver. Mais quand nous voyons ces choses, nous savons que l'été est imminent. Et voyez-vous, en Israël, vous avez deux saisons, l'été et l'hiver. Et on passe de l'un à l'autre par un très court printemps ou un très court automne. Et ce court printemps, il peut durer quelques semaines, il peut durer plusieurs jours, on ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit les arbres bourgeonner comme en ce moment, on sait que ce froid qui sévit, eh bien... il peut cesser brusquement, du jour au lendemain. À partir de maintenant, l'été peut arriver à tout moment. Ça ne veut pas dire que ça va le faire. Ça peut traîner encore plusieurs semaines. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir d'avance. D'une année sur l'autre, ça change quoi du tout au tout. Telle année, en 3 jours, vous allez arriver à l'été. Telle année, il va falloir 6 semaines. Vous ne pouvez pas savoir d'avance. Mais ça veut dire que quand vous voyez les arbres qui fleurissent à cette saison, vous pouvez savoir que ça peut venir à tout moment. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Sachez que ce temps ne s'achèvera pas sans que tout cela n'arrive. Et voyez-vous, toutes les conclusions de Jésus de ses discours
et je réponds à la question de notre sœur, c'est puisque vous ne savez pas ni jour ni l'heure, veillez, soyez prêts en tout temps. À partir du moment où vous verrez ces choses arriver, il faudra être prêt. C'est ça la chose importante. Voilà, bonsoir. On va terminer par la prière, si vous le voulez, d'abord, et puis notre sœur va dire deux mots. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu veux que nous ne soyons pas surpris par les événements qui se produiront. Et si tu nous ouvres l'esprit pour que nous comprenions ta parole, c'est parce que tu veux que nous puissions nous préparer, que nous puissions veiller, prier pour avoir la force de surmonter tout ce qui arrivera et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Seigneur, donne-nous à prendre conscience de l'urgence des temps. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que ce processus est enclenché d'une manière tellement irrésistible qu'il aboutira à son terme d'une manière irréversible. Et Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui auront la force de traverser toutes ces choses. Aussi, fortifie-nous, Seigneur, par ta parole, fortifie-nous par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de nous sanctifier, nous mettre à part, pour ne pas être condamnés avec le monde, et pour pouvoir, Seigneur, être ceux qui entreront dans le royaume qui a été préparé dès le commencement du monde. Pour ceux qui t'aiment et qui te suivent, au nom de Jésus, Amen.